Je sens rien du tout. Ça va. Impeccable. Merci. Merci. Cet après-midi, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté à Marseille. Les premiers vaccinés sont les membres du personnel médical de la PHM. Ils ont reçu les premières doses à la Timone aux alentours de 14h. J'attendais parce que c'est la seule arme qu'on ait actuellement pour diminuer un peu la pression, en fait. Ça n'empêchera pas qu'il faudra, on ne sait pas encore si on est contaminant une fois vacciné, c'est possible, donc on gardera le masque. Mais pour moi et pour ma peau, je préfère quand même être protégé parce que j'ai toutes les chances de finir en réanimation puisque je suis réanimateur de formation. J'ai fait 35 ans de réa dans les hôpitaux de Marseille et je sais que j'ai vu passer des gens qui n'avaient pas d'antécédents, qui étaient plus jeunes que moi et qui sont morts. Donc je préfère mettre les chances de mon côté. Après, chacun est libre de faire son choix. Ce matin, 13 000 doses ont été réceptionnées à Marseille. L'ARS va commencer par vacciner le personnel médical, puis les personnes à risque, notamment dans les EHPAD. On cible d'abord les plus fragiles, donc les personnes qui sont en EHPAD hein, et dans les établissements collectifs parce qu'ils sont soumis vraiment à un risque plus élevé. Puis ensuite, on va commencer à traiter les personnes de plus de 75 ans, puis les personnes de plus de 61, etc. Par cercle concentrique, comme ça, on va diffuser jusqu'à, je pense, d'ici un mois, pouvoir lancer les opérations de vaccination de très grand public. Après avoir été confronté à des décès de personnes pour lesquelles je n'aurais pas pensé qu'ils étaient à risque, ben, j'ai pris ma décision en toute conscience. Puis en tant que médecin, c'est vrai que j'ai beaucoup échangé avec des copains médecins. Et voilà, je me suis renseignée parce que je me renseigne toujours avant de faire quelque chose et je pèse toujours le rapport bénéfice-risque. Et je pense que le rapport bénéfice est supérieur au risque du vaccin. La campagne de vaccination pour les Marseillais devrait débuter d'ici un mois. La ville a prévu de recevoir toutes les semaines près de 9 700 doses.